j'ai pas besoin de casque. Vous êtes nombreux à me dire en live, After, quelle est ta config? After, vas-tu faire une vidéo setup? Bon, pas tout le monde non plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup, After, enfin setup, oui, oui. Donc déjà, pour commencer cette vidéo setup, en beauté on va faire comme tout le monde, c'est-à-dire que la config va passer à la fin. Oui, je sais, puis calmez-vous, le reste est quand même assez important. Déjà, on va commencer par mon décor, ce qui entoure ma pièce, ce qui illumine mes journées, ce qui est un peu pas si décor que ça. On va commencer déjà par ce qu'il y a sur mon étagère de derrière, ce qui est assez impressionnant, messieurs et mesdemoiselles, c'est que je suis un otaku. Oui, monsieur, oui. Je pense que ça se voit. J'ai une peluche Miku avec accompagnée de plein d'autres affaires atypiques d'otaku, notamment des boîtes de figurines qui sont sur mon bureau, des boîtes de neon box, y a pas de placement de produit, non, rien du tout, c'est ce que la box est stylée donc je la mets. Y a plein de trucs, y a tout. Y a même une épée de Sword Art Online, pour vous dire, y a même celle de Kirito MDR, il y a même sa statue pop à côté. On va pas se cacher que c'est quand même un peu stylé. Ça c'est un peu mon décor atypique, c'est-à-dire que je peux pas faire grand chose d'autre. Hein. Vous avez vu aussi un poster, je vous le dis ou pas? Bah non. Moi mon rêve ça serait de tout changer évidemment, si je pouvais je le ferais, mais pour des raisons de place je ne peux pas. Maintenant on passe un peu ici. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un piano? After touche du piano. Je joue un peu de piano, je suis pas très fort mais je sais faire au clair de la lune. Ouais, non, c'est un piano, je pense que pas mal de gens connaissent ce piano parce que Amixem a celui-là, c'est celui-là que j'ai voulu prendre parce que je l'ai vu dans une de ses vidéos qui est une vidéo setup aussi. Donc, alors attendez, je vais chercher la réponse. La corne Master Key 61 parce qu'il y a 61 touches en fait. Et il marche très bien. Comme logiciel de musique que j'utilise avec, évidemment, c'est Studio One qui m'a été fourni avec un excellent logiciel, moi je vous le dis. Maintenant, qu'est-ce que j'ai sur mon bureau? Qu'est-ce qui se passe un peu dans cet univers qui est la bureautique, qui n'a aucun rapport avec le bureau? Sur mon bureau, vous allez pouvoir voir, bon, vous le verrez à la caméra parce que j'aurai évidemment enregistré le truc parce que je suis quelqu'un de très organisé, c'est pas vrai. Donc sur mon bureau, bah, y a évidemment les figurines, par exemple, il y a Miku, Rin. Attention. Et puis il y a Asuna de Sword Art Online qui est juste derrière. Et j'ai aussi une pop. Oui, Hatsune Miku. Je pense que ça se voit que j'aime pas mal Miku, hein, on va pas se le cacher. J'ai une espèce de... Comment on appelle cette merde? J'ai un espèce de truc à LED. J'ai un objet en forme rondale qui s'illumine avec marqué ne pas fumer parce que moi je n'aime pas la fumée, voilà, c'est tout pour moi. Maintenant on va parler de mes périphériques, ce qui m'accompagne chaque jour, chaque matin, ce qui me permet notamment de faire bouger ma souris quand je fais du montage. Au niveau de ma souris, bah, j'ai celle que j'ai présentée dans une vidéo, donc la Klim AIM qui m'a été fournie par Klim, encore merci à eux d'ailleurs, qui est une excellente souris. Bon, je vais pas la refaire, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, vous verrez sur la chaîne, vous la trouverez, y a pas de souci. De toute façon c'est la seule vidéo où je présente un produit. Mon clavier, j'ai un c'est quoi mon clavier? C'est un DeathStalker truc là, non? C'est un Razer DeathStalker Chroma. J'ai pas regardé. Donc il s'illumine partout, il est très grand. J'avais un ancien clavier avant que c'était un... C'était quoi? C'était un clavier mécanique. Et en fait, le seul inconvénient sur mon ancien clavier mécanique, c'est déjà l'une, il fait trop de bruit. Et de deux, et ben en fait, il n'y avait pas de pavé numérique, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai racheté par la suite ce Razer DeathStalker Chroma. Parce qu'il est plus silencieux, surtout pour les streams, c'était horrible. Ah, le mécanique là. Donc j'ai pris ça parce qu'il fait moins de bruit, il est plus grand, il y a un espace pour mettre son poignet, il y a même la fonction chocolat chaud. Je sais pas quoi dire. Mon casque, ah oui, mon casque, c'est ce qui me permet d'écouter notamment les rageux. Oh, ça va, je rigole. Bon, il a les coussinets un peu qui se barrent, mais c'est un très bon casque que je l'ai depuis maintenant quasiment 3 ans, je pense. 3-4 ans que je l'ai, c'est un. Je vais les voir. C'est un Razer 7.1 Chroma. Ah, c'est pas le V2, c'est le V1, parce que oui, faut pas déconner, le V2 était pas sorti. Ah oui, vous avez peut-être pu voir. Oh. J'ai une tablette graphique, c'est une Wacom, attendez, oh putain, en plus j'avais le lien juste avant. C'est une Wacom CTH-680SS- tablette Pen and Touch. Boom, bitch. Donc c'est une tablette typique, donc moi je m'en sers souvent pour jouer à Osu, hein, pour ceux qui connaissent Osu. La vitesse, ah, wow. Tablette, voilà, je m'en sers aussi un peu pour dessiner, j'ai beaucoup de mal à dessiner dessus parce que moi c'est tout ça, c'est petit, mais en fait je voudrais bien, genre un écran comme ça, tu vois, j'écris avec le gros écran là, intégré, je dessine comme un pro. Mon micro, parce que c'est quand même important, c'est un UM30 Eagletone, je l'ai depuis quasiment tout le début, ça va faire 3 ans que je l'ai aussi, pareil, je l'ai acheté en même temps que le casque, il me semble. C'est un très bon micro. De toute façon je vous mettrai toutes les références dans la description. Putain, je dois travailler encore plus, tiens, comme cette vidéo devait sortir demain. Avec, pour le faire tenir, j'ai ce qu'on appelle un bras articulé, qui est un bras articulé MS01. Je ne vous le conseille pas du tout. Il tient pas du tout. C'est-à-dire que si je bouge mon micro, le micro il fait... Attends, oh, on va tester. Allez, vas-y, fais genre que ça marche maintenant. Putain. donc c'est un MS01, je ne vous conseille pas, blablabla, il est nul. Ensuite on va parler de avec quoi je me filme, donc c'est une webcam HD Logitech C920. Tous ces youtubeurs ont cette webcam, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle fait en HD 1080p. Je vous la conseille, c'est vraiment un très bon, une très bonne webcam. Ensuite, mes écrans, bah alors j'ai deux écrans, j'ai une télé qui date d'il y a très longtemps et j'ai un écran de PC normal sur lequel je joue. Mon écran de droite qui est un écran blanc avec un contour rouge est en fait un Essentiel B. De base c'est une télé, hein. Elle date de beaucoup trop longtemps et elle n'est plus disponible sur le marché malheureusement. Ensuite mon deuxième écran qui est un Philips 247E L, c'est un L, LHA, voilà, à LED. Il fonctionne très bien. Faut juste que je les nettoie parce qu'il y a un peu de voilà, force de rager les boutons qui partent, vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est ça les gars. Maintenant, on va parler des logiciels, avec quoi je rec, avec quoi je monte, avec quoi je fais des montages photo, avec quoi je fais mes lives, avec quoi je fais de la musique sur mon piano. Donc pour mon montage vidéo, j'utilise Sony Vegas Pro 15. Mon logiciel pour rec mes vidéos, alors moi je rec avec Shadowplay, j'enregistre avec Audacity, je pense que vous connaissez Audacity, il n'y a pas de souci là-dessus. On l'utilise même à l'école. Vous pouvez vous la péter si vous êtes youtubeur et vous utilisez Audacity, vous faites moi je connais, ouais faut exporter, ouais, sinon c'est pas le bon format. Qui est montage photo, donc miniature, j'utilise Photoshop, hein, à la base, comme tout le monde. Niveau musique, mon piano, bah je vous l'ai dit, j'utilise Studio One. Bon, bah, il est temps de passer au PC. Donc, vous avez pu le voir, j'ai un PC de compétition depuis pas longtemps, enfin presque de compétition, genre, ça c'est le PC. La compétition, elle est là. Là, c'est ce qui me reste à faire avant que ce soit un putain de PC, tu vois. Donc, j'ai changé de PC récemment. Avant, j'avais un autre boîtier qui était un Zalman Z11+, que je ne recommande pas du tout, parce que les ventilos lâchent très vite. Donc, le boîtier, c'est un Thermaltake C22 en version RGB noire. J'aurais pu prendre le blanc, mais c'est salissant le blanc. En carte mère, qui est ici, bon, elle est dans mon PC, hein, faut pas faire gaffe, c'est juste que j'ai encore les boîtes. En carte mère, j'ai une Gigabyte, c'est une... C'est quoi ? Une Z270- Gaming-K3. Au niveau de mon aliment, ah, par contre je vais aller dans le désordre, hein, je vous le dis direct. Niveau alimentation, j'ai une VS 550 watts qui devrait normalement faire le taf, mais je vais devoir la changer de toute façon. J'ai 16 Go en DDR4, donc 2 x 8. Maintenant 8 Go ça ne suffit plus dans un PC, on va pas se le cacher, donc maintenant on passe à du 8 x 2. Et je vais pas vous cacher que le prix des putains de barrettes de RAM en DDR4, j'ai mal. Oh bah, oh ça se vend bien ça, si on les montait. Alors j'ai maintenant, on va parler du processeur, c'est le truc dont je suis le plus fier. Marie 5 Marie de Josette de Julie Sunshine. J'ai un i7 7700K de 4,2 GHz. Oh oui, content de l'avoir dit. Elle m'a coûté un bras, j'ai économisé pendant... Ouais, il est refroidi évidemment par un water cooling. Et oui, moi je vais pas jusqu'à un... Moi je prends pas mes ventilos, moi je prends carrément un putain de water cooling. Attention, water cooling, je parle pas des trucs avec les tuyaux partout. Un water cooling auto. Voilà, bah, peut-être mieux. Le H60 que vous mettez sur le processeur, ça fait, il y a deux tuyaux qui partent vers un radiateur et vous mettez bah comme là un ventilo dessus. Moi j'en ai mis deux, vous allez voir dans mon PC, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Pourquoi deux ventilos? En fait, en gros, c'est un radiateur. Donc en gros ça chauffe parce que l'air, machin, tout, l'eau. Si j'ai bien compris, si ça se trouve je dis que de la merde, j'en sais rien. Pour moi donc le radiateur chauffe, il y a le ventilo qui souffle, qui permet de prendre l'air pour l'extirper. Non, enfin moi je prends l'air extérieur pour l'amener dans le PC pour avoir un air frais, pour que ça refroidisse le plus possible le radiateur. Mais du coup en fait l'air, vous voyez, elle passe, mais le radiateur il prend un peu tout, vous voyez, ce qui fait que du coup il ressort très peu d'air. Donc j'ai mis un autre ventilo dessus qui permet de prendre l'air qu'il y a dans l'espèce de radiateur qui fait et qui le prend et tout, et du coup l'air elle est froide et tout, ça refroidit beaucoup plus, du moins c'est ce que j'ai vu sur internet. Maintenant parlons de ma carte graphique. Alors j'ai une GTX 660, oui je sais, je désespère beaucoup de personnes malheureusement, c'est le seul bémol de cette config de bâtard, c'est que j'ai une vieille GTX 660 et là c'est là le problème en fait, c'est que je ne peux pas du tout m'acheter pour le moment une nouvelle carte graphique. De base, je voulais partir sur une 1070... Je vais te claquer le cul. Je voulais partir de base sur une 1070 Ti. Là, j'en ai plaisanté dans ma dernière vidéo en disant « Ouais, est-ce que des produits peuvent m'envoyer machin ?» Mais là, c'est une annonce sérieuse. Si vraiment vous êtes un site de PC ou vous connaissez une marque ou autre qui pourrait me dépanner d'une carte graphique, ça serait un truc de fou. Moi, je fais une vidéo dessus, y a pas de souci. Déballe et je dis merci. Non, en vrai, s'il y a moyen qu'un site... ou une marque me contacte pour m'envoyer une carte graphique pour que je puisse être avantagé le plus possible durant mes stream modes, parce que c'est infernal. J'ai un putain de i7 et je peux même pas en profiter, c'est un C'est un truc de fou. Là vous allez me dire, ah machin, il se sert de YouTube pour avoir des trucs gratuits. Malheureusement je n'ai pas du tout les moyens de m'en acheter une pour l'instant. Après je vais, là j'économise, mais je risque pas d'en avoir une avant peut-être la fin d'année. Et c'est vraiment très compliqué, donc voilà. Bon bref, repassons. Donc là pour l'instant j'ai une GTX 660 qui date de mon ancien boîtier. J'ai oublié quoi? Je suis passé de 1h30, 2h de rendu à 20 minutes à peine avec ce i7, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui veulent savoir, avant j'avais un i5 4440, mais quand je suis passé sur ce i7, c'est un truc de ouf hein. Ah mais là ça a explosé. Bon on va peut-être pas s'éterniser sur cette vidéo, je crois que j'ai parlé de tout. Ah ma chaise, bah alors, bah, je t'ai oublié. Bon comme chaise, une Nitro Concept, je sais plus laquelle c'est, je sais pas si j'arrive à la retrouver. Bon, le seul problème avec ce siège, c'est pas si j'ai oublié de faire quelque chose ou pas, mais en fait c'est ça. En vrai en fait j'ai un problème avec ce siège, c'est qu'il grince beaucoup, genre pourquoi il me le fait plus hein? C'est que quand je suis en vidéo que ça le fait plus. Ah voilà, je pense que c'est terminé. J'espère que cette vidéo setup vous a plu. Et ça fait du bien de parler un peu de sa config, un peu de ses problèmes de PC. C'est un truc de fou. Je vous en remercie à tous. Vous êtes bientôt 40 000 sur la chaîne YouTube. C'est un truc de ouf. Merci à tous. Je vous laisse du coup. Si vous avez plus de questions à me poser sur ma config, sur mes logiciels ou autres, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi je vous dis à la prochaine, c'était After. Bye, vos rillons. Ciao. Oh, attendez. Ciao. C'est mieux.